Bienvenue à vous, monsieur Farnac. Dame Simone, je vous amène la comtesse de Montsalvi, autrefois Catherine de Brazet. Oh, dame Toison d'Or, je suis impardonnable de ne pas vous avoir reconnue. Je n'ai vu de vous que votre portrait par messire Farnac, mais la ressemblance... Catherine, la nourrice du futur duc de Bourgogne est une amie très sûre. Elle vous hébergera cette nuit. J'espère que nous pourrons repartir dès demain. Mon ami, vous aurez bien soin que personne à Lille, et surtout au palais, ne sache la présence de la comtesse dans votre maison. Madame, il vous suffira de n'en pas bouger. Les gens qui me servent sont deux et j'en réponds comme de moi-même. Quant à vous ennuyer, n'y comptez pas trop. Dame Simone a une conversation mieux fournie que celle d'un barbier. Monsieur Farnac. Et ses fonctions au château font qu'elle est au courant de tout. De presque tout. Je vous laisse donc en bonne main. Oh, c'est un caractère que notre futur duc, je vous prie de le croire. Il a tout juste 3 ans et il fait déjà des colères à briser les vitres. Les premiers mots qu'il a su dire sont « je veux » et « je ne veux pas ». Comment s'appelle-t-il ? Charles. Et avec ça, d'une audace, on peut même dire de la témérité. Messire de Rousset. Madame Simone, je cherche la dame qui est venue chez vous tantôt avec messire Farnac. Une dame ? Une personne attachée à monseigneur l'a reconnue sans conteste. Il s'agit de madame de Montsalvi, autrefois comtesse de Brazé. Mais enfin... Pour qui notre duc nourrissait les sentiments assez vifs, où est-elle ? Pourquoi ne voulez-vous pas me donner cette lettre, s'il vous plaît ? Parce que monsieur le recteur m'a commandé de la remettre en main propre à mademoiselle de Saint-Mélaine, ma sœur. N'y voyez aucun mal. Je n'y vois aucun mal, vous m'avez l'air d'un garçon assez sérieux. Mais enfin, nos pensionnaires ne doivent recevoir de visites que de leurs parents, et au jour prévu pour cela. Les circonstances sont particulières. Songez au deuil qui vient frapper des mademoiselles de Saint-Mélaine. C'est vrai. Pauvre petite, elle a un chagrin fou. Et songez qu'en fait, famille, il ne lui reste plus que ses frères, vous les connaissez ? Seulement de réputation, et je ne tiens pas à les connaître davantage. Vous avez raison. Cependant, s'ils se présentaient, vous seriez bien obligé de les laisser rencontrer mademoiselle de Saint-Mélaine, puisqu'ils sont ses plus proches parents. Hélas, c'est la vérité. Mais où voulez-vous en venir, jeune homme ? À ceci qu'il est moins dangereux pour mademoiselle de Saint-Mélaine de me rencontrer moi que de rencontrer ses frères. Tout filleul de monsieur le recteur que vous soyez, vous êtes un drôle de jeune homme. Je vais chercher mademoiselle de Saint-Mélaine, mais il ne faudra pas vous éterniser ici, n'est-ce pas ? Je remplis ma mission, ma sœur, et je disparais. Rien qu'un instant, jeune homme. J'ai votre parole ? Avez-vous bien rempli votre mission ? Ma mission ? Oui, oui, ma sœur. On pourrait se le demander, avoir votre mine. Ou bien y avait-il dans cette lettre l'occasion d'une contrariété ? Non, non, ma sœur, pas dans la lettre. Mais mademoiselle de Saint-Mélaine est une personne bien originale. Ma foi, c'est vrai. Le monde est ainsi peuplé, des êtres ordinaires et des originaux. Le bon Dieu en a créé pour tous les goûts. Vous, comme je vous vois, n'êtes-vous pas attiré par l'originalité ? Ma foi. Eh bien, je vous souhaite beaucoup d'amusement et bien du courage.